Là, vous allez vous dire comment tu peux te retrouver. Faut comprendre que Stéphanie allait faire un stage de médecine, elle est étudiante en médecine, elle faire un stage dans l'hôpital, à l'hôpital de Bathurst. Et doit se rendre donc et empruntera, se servira de cet outil-là dont on parlera, du GPS. Puis là, vous dites, comment se fait-il que tu puisses te perdre un moment donné et te ramasser dans une situation qui aurait pu être catastrophique? Bon, pour comprendre les événements puis ce qui se passe, c'est Pierre, le père de Stéphanie, qui vous le racontera dans cet extrait. Brièvement, est-ce qu'on peut revoir le parcours, le trajet que vous avez fait pour vous rendre là? Vous avez passé par la 11, oui. Par la 2 ou quoi? Le trajet, là. grâce c'est une bonne question. Oui, grâce aux responsables, en fait, aux responsables de tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire un GPS. J'ose pas dire la compagnie, mais je pense que vous le savez déjà. Qui l'a fait passer par Rimouski, comme on l'a confirmé là, avec les relevés de banque et tout ça. Puis après ça, elle a descendu la vallée de la Matépédia. Puis ce, j'ai failli dire le nom, ce GPS l'a fait passer à côté de Bathurst. Il l'a fait descendre jusque dans cette région-là, que je ne connais pas bien, là, mais à quelques kilomètres de Miramichi. Puis il l'a fait tourner sur un chemin. Comment est-ce qu'il t'a dit ça, ton grand... Ah, je l'ai dit. Bon. ton GPS, comment est-ce qu'il t'a dit ça? Il m'a dit « tourner sur la route sans revêtement ». Alors, il a demandé à ma fille de tourner sur une route sans revêtement. Puis, il lui disait qu'elle était rendue à 7 km de l'hôpital. Évidemment, c'était une route qu'on me dit épouvantable. On me dit que c'était une route là, qui n'est pas circulable l'hiver. Elle, bien évidemment, elle avait une bonne voiture, c'est une 4 roues motrices. Fait qu'elle a réussi à faire 6 km sur cette route-là. Donc, elle était rendue quand même à une bonne distance. Puis là, elle se pensait, grâce à cette belle chose-là, proche de l'hôpital, mais elle est restée prise dans la neige. Donc, elle est sortie de sa voiture, elle a décidé qu'elle marcherait le reste. Puis, elle a calculé ses kilomètres, puis elle a fait 8 kilomètres. Puis, au bout de 8 kilomètres, elle s'est dit, ça se peut pas. Surtout qu'elle voyait pas grand-chose autour d'elle. Fait qu'elle est revenue à sa voiture, puis elle a décidé de rester à sa voiture. Puis, comme les policiers m'ont dit, de tous les corps policiers, dont M. Tremblay, c'était la meilleure affaire qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire rester près de sa voiture, dans laquelle il y avait du linge et des couvertures, et il y avait même un oreiller pour dormir. Puis elle avait, parce que, bon, sa mère avait pensé à beaucoup de choses, puis elle avait rempli, comme on dit en bon français, un cooler. Il y avait de la nourriture que moi, j'estimais qu'elle n'avait au moins pour 10 à 15 jours. Puis comme ma fille m'a fait remarquer, il paraît qu'au début, je disais qu'elle n'avait pour 7 jours, puis plus le temps passait, plus je disais qu'elle avait plus de jours. Vous allez comprendre que c'était un peu normal. Mais elle, m'a dit qu'elle allait décider tout de suite en partant de se rationner. Elle avait calculé qu'elle en avait pour 6 semaines. Puis j'en doute pas, parce qu'avec tout ce qui restait à manger, elle en avait pour un bon bout. 6 semaines de nourriture, parce que, bon, la famille est prévoyante, des couvertures, un oreiller, etc. Stéphanie racontera dans le prochain extrait quelles étaient ses journées. Parce que c'est pas le temps que ça va durer. T'es pris... T'es dans le milieu de nulle part, elle a marché, elle se rend compte que ça mènera pas nulle part non plus, elle revient. Elle dira notamment, vous ne l'entendrez pas, mais elle dira que, bien, évidemment, elle a une formation médicale. Alors, elle avait très froid, elle n'était pas en hypothermie, elle avait très froid le matin, froid aux pieds, etc., marchait un peu pour se dégourdir. La voiture, elle dit, ma voiture est noire, alors ça permettait notamment, probablement, d'attirer le soleil et de faire en sorte que l'habitacle se réchauffe. Mais comment passait-elle ses journées sans savoir quand est-ce que ça allait se terminer? Écoutez-la. Ben j'avais un espèce d'horaire, si on veut. Quand je me levais le matin, c'est là que j'avais le plus froid après la nuit. Fait que je pelletais la neige autour de mon auto, parce que je voulais pas qu'il y ait de la neige dans le tuyau d'échappement pour pas qu'il y ait de gaz qui rentre dans mon auto. Fait qu'avant de partir mon auto, je pelletais autour. Après, je partais mon auto 20 minutes pour me réchauffer. J'essayais de dormir un petit peu par la suite, puis après, j'allais marcher. Quand j'ai marché les 8 km, j'allais marcher vers 11 h le matin. Je revenais, j'essayais de lire, mais bon, le roman que j'avais amené me parlait de la survie en forêt, ça m'intéressait pas trop. Fait que honnêtement, je pensais aux personnes que j'aimais. C'est ça que je faisais. J'avais rien d'autre à faire que de prévoir ce que j'allais faire pour m'en sortir, puis penser aux raisons pourquoi je vais m'en sortir. Après 2 jours qu'il n'y avait pas une auto qui était passée, j'avais pas l'impression qu'il allait y avoir une auto qui allait passer, du moins pas avant la fin de semaine.
ça s'est passé tellement rapidement que j'ai entendu le bruit, je me suis retournée, je les ai vus, j'ai commencé à crier dans une fraction de seconde, puis j'ai pas... j'ai viré folle. Depuis les 4 derniers jours, je me permettais pas de vivre aucune émotion parce que je pensais que c'était pas le temps de le faire, puis c'est ressorti d'un coup. Alors là, ce sera les retrouvailles, évidemment, parce qu'elle a rencontré Pierre, son père. Stéphanie, là, bien sûr, reprendront la route pour rencontrer le reste de la famille. Pierre Parent en a parlé. Je salue également Pierre, Stéphanie, sa mère aussi, Pierre, avec qui on avait parlé hier ensemble. Et je compléterai ce récit de l'aventure. Ensuite, on tombera dans le GPS. Mais je leur ferai compléter le récit de l'aventure sur les retrouvailles et sur le fameux monsieur Haché, là. Azad, qui soudainement se rend compte qu'il y a une voiture là, qu'il y a une jeune fille qui n'a pas d'affaire là, puis qui réussira finalement à faire en sorte qu'il y ait un sauvetage. Écoutez-la. Depuis les 4 derniers jours, je me permettais pas de vivre aucune émotion parce que je pensais que c'était pas le temps de le faire, puis c'est ressorti d'un coup. Puis M. Haché, quand je lui ai parlé, il me dit « Votre fille... She's a very strong and very bright girl. » Il m'a aussi dit, puis il lui a demandé quel âge elle avait puis qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle lui a dit, j'ai 22 ans. Puis à ce moment-là, il lui a dit, ben ça tombe bien, moi j'en ai 21. Fait qu'il a réussi à la faire rire tout de suite. Fait que vraiment, M. Haché... Alors que c'est juste pas d'un homme de cet âge-là. Non, on suppose que c'est probablement un monsieur probablement un peu plus âgé que moi. Mais vraiment, ça a été comme premier contact, je pense que c'était tomber sur un bon contact. C'est quoi la première chose que tu veux faire quand tu vas revenir à Sherbrooke dans tes choses? Serrer ma mère, mon frère dans mes bras, c'est la seule chose que j'ai hâte de faire. Qu'on soit les quatre ensemble. Qu'on soit les quatre ensemble, ça va se produire dans peu de temps parce qu'ils vont revenir vers la maison, évidemment, paternelle. Chantal qui m'écrit, j'ai vécu la même aventure que Stéphanie Parent. Je revenais de la Gaspésie. J'ai décidé de suivre mon GPS pour voir par quel chemin il me ferait passer. À Matapédia, elle m'a indiqué le Nouveau-Brunswick et naïvement, j'ai décidé de le suivre. Je me suis ramassé dans un sentier qui a soudainement rétréci. J'ai décidé de faire confiance à mon GPS et j'ai continué à avancer en espérant avoir une route devant moi. J'ai dû faire 12 km en plein bois, impossible de reculer. Heureusement, j'avais un VUS car avec une voiture, je serais restez prise. C'est le récit, vous venez de l'entendre, vous êtes les premiers à l'entendre, vous l'entendrez dans nos bulletins d'information, bien sûr. Donc, une histoire qui se termine bien, qui aurait pu avoir des conséquences plus fâcheuses. C'est pas rien, hein? C'est pas rien quand même. La jeune fille qui décide de se rationner, qui en a eu, comme elle nous le dit, pour un 6 semaines. Ça, je veux dire, bon, on n'était pas en situation... encore de l'essence dans la voiture, hein? Elle dit il y avait encore de l'essence, je réchauffais le matin un peu, je déblayais l'auto autour, évidemment, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour d'oxyde de carbone, bon, etc. Et ça se finit bien. Mais au centre des événements, une machine dont vous vous servez, dont je me sers également, elle a des limites? Probablement. Quelles sont-elles? Comment faire en sorte de bien s'en servir et la mettre à jour correctement? On s'en va à la pause au retour. Un pro nous parle.